accueillons nos amours du jour, Sabrina et Maxime. Ils arrivent d'Alsace et affichent 14 ans de bonheur à deux. Laetitia et Christian, ils nous viennent de Belgique. Bonjour les Belges. Émilie et Maxime, oui le comte, c'est la Normandie. Et puis quand il est lancé, rien ne l'arrête, à part peut-être une tarte au citron meringué, le gourmand Bruno Guillon. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France 2, bon début de semaine. Ravi de vous accueillir pour les amours ce matin. Maxime, Émilie, ça va bien ? Ça va, tranquille. En pleine forme. En pleine forme. Je vous sens beaucoup plus détendu que sur cette photo avec cet animal de compagnie. Alors, c'est pas un labrador, c'est un piton. Mais il a une tête... il est vivant, le piton ? Alors, il venait de manger parce qu'il a un peu... C'est quand il a vu Émilie, en fait, il a paniqué. Vous aviez l'air assez détendu. Pourtant, non. Pourtant, non. Vous avez peur des serpents ? Oui. Ah mince, on n'aurait pas dû vous ramener celui-là, alors. C'était quand ? C'est moi la seule fois où je croise des animaux comme ça, c'est sur Fort Boyard, mais le reste de l'année, non. C'était où ? Au Baléares. Au Baléares, ouais. Très bien. Eh bien, ça donne pas super envie d'y aller. Laetitia, Christian. Yeah. Vous venez de Belgique ? Oui. Virginal, c'est le nom du village ? Oui. C'est un tout petit village. Virginal, c'est joli, ça évoque la candeur. Vous avez des enfants ? Un. Ah oui, donc c'est pas si virginal que ça. Alors, question. Et puis Sabrina et Maxime. Je vais me lancer dans la prononciation de cette ville alsacienne parce qu'il faut que je m'y mette petit à petit. Mundolsheim. Non. Non. J'avais une chance sur deux. Alors on dit comment ? Mundolsheim. 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 Maxime, vous cherchez du travail ? C'est ça. Eh bien, dites-le, regardez la télé là pour vous. Ben, si c'était possible que quelqu'un me contacte pour essayer de faire un petit job dans le commerce, on va dire. Ben voilà, ben très bien. Ben voilà, Maxime est ici. Vous le contactez directement via Les Amours et on fera suivre. Oui. On y va tout de suite avec la première manche. Oui. 14 ans de différence d'âge, Maxime, entre vous et votre chérie ? Exactement, oui. Donc quand vous êtes rencontrés, elle avait 21 ans ? C'est ça, et moi 35. Ben oui, c'est ça. 21 plus 14 égale 35. Hein. Je fais de la télé, mais enfin, j'ai 2-3 connaissances en addition. Et vous vous êtes rencontrés comment ? Par le biais d'amis à nous, on a fait une soirée, et puis certaines amies à nous me trouvaient charmant. Juste Sabrina me trouvait moche et con. Et de ce fait-là, j'avais pas mal de travail. Ça commence bien. Ouais, j'avais pas mal de travail à faire, et le fait d'avoir persévéré, un jour ça s'est conclu, et puis depuis, voilà, nous avons 2 enfants, mariés depuis 2005, et on vit des jours heureux. Mais oui, comme quoi... Patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage. Maxime, première question. Ce jour-là, votre chérie vous en a voulu au point de vous coller un carton rouge. Comme au foot. Qu'est-ce que vous aviez fait, Maxime ? On avait convenu de faire une petite sortie en discothèque. Et donc, on était bien tous les deux. Et tellement bien que je me suis dit, tiens, je vais lui annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, tu jettes ta pilule. Et on s'est dit, suite à ça, qu'on allait faire un joli bébé. Oui. Le problème, c'est que le lendemain, je me suis ravisé et j'ai ressorti la pilule de la poubelle. je lui ai dit que j'étais pas prêt. Oui. Et elle m'en a pas voulu. Ce D'accord. qui fait que, de par son comportement, 3 jours après, j'étais prêt. Il me fallait le temps. Et voilà, et aujourd'hui, on a un petit Arthur. Il est dans le public ou pas, le petit Arthur ? Il n'est pas là, il est à la maison. Eh ben, il va être content d'apprendre cette anecdote, en tout cas. Voilà, Arthur. On est peu de choses. Finalement, la pilule n'a pas eu trop de mal à passer. C'est ça. Voilà. Christian, alors, de votre côté, le carton rouge, c'était à quelle occasion ? Ben, le jour de la naissance du petit. Comment il s'appelle, le petit ? Tom. Tom. Il est là, Tom ? Ben, oui, il est là. Ah, il est là. Avec moi. Est-ce qu'on peut voir Tom ? Fais un petit coucou, Tom, qu'on te voit dans le public. Et... C'est mini-moi, donc hein, on peut pas, vous ne pouvez pas le renier. C'est ce qui paraît, oui. Ah ben, c'est la même tête, extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la naissance de Tom ? Donc, j'ai assisté à l'accouchement, j'ai donné un coup de main à la sage-femme et tout, et tout d'un coup, j'ai eu un peu de glaire sur les mains, et j'ai dit, oh, mais c'est rien, c'est comme quand j'égorge les truites. Et bon, elle a très mal pris. Ouais, voilà, et la sage-femme, elle pensait que j'allais tomber dans les pommes et tout ça, que D'accord. j'étais con pour ça, mais non, pas du tout, en fait. C'était juste pour la chine blague, quoi. D'accord. Elle a pas apprécié. Et la blague est tombée un peu à l'eau. Oui, oui. Oui, alors vous avez remarqué, là aussi, hein, visiblement. Hein, c'est, là, c'est pareil. Hein. Maxime. Donc moi, c'était au début de notre relation avec Émilie. On avait des projets tous les deux de s'installer. Et j'avais un travail. J'étais en fin de contrat de ce travail.
Et on m'a proposé un poste. Donc nous, on habite en province, hein, on habite dans le Calvados. Mmh. Et on m'a proposé un boulot sur Paris. Donc je suis rentré le soir, j'ai dit, bah, Émilie, voilà, je t'annonce que je pars travailler sur Paris. Ah. Et malheureusement, elle ne pouvait pas parce qu'elle était encore en études. Donc ce jour-là, elle m'a fait la tête, elle a pleuré, elle m'en a voulu pendant une semaine. Et vous êtes quand même parti ? Mais je suis revenu 9 mois après. D'accord. Vous êtes sur Oudy le Comte, c'est ça ? Oui, le Vicomte, précisément. Ouais, oui, le Vicomte, ouais. Ah, il est devenu Vicomte. Moi, j'avais l'info quand il était Comte. Il est Vicomte maintenant. Ouais, il est Vicomte maintenant. Mais il va bien toujours. Ah oui, oui. Il y a toujours l'église, l'épicerie. Il y a tout, il y a le bar, il y a tout. Très bien, ok. Non, mais ça fait longtemps que je n'avais pas pris de nouvelles. Donc c'est bien. Merci. Christian, deuxième question. Lorsque votre compagne a quitté la maternité après la naissance de votre premier enfant, votre première truite, la première nuit passée avec bébé à la maison a été pour vous angoissante, à toujours vérifier la respiration du nouveau-né, épuisante, et dire que c'est la première nuit d'une longue série, ou reposante, le petit ne faisait pas encore ses nuits, alors vous, si. C'est celle-là, exactement celle-là. Oui, exactement. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Ah bah, donc vous avez enchaîné derrière la fin de l'accouchement. En plus, après, vous étiez en dodo pour les bébés. J'entendais pas quand il pleurait, rien du tout. D'accord. Mais c'est vrai, je n'entendais pas. Mais il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, si tu veux crier, tu peux. Mais il a pas fait ses nuits pendant longtemps, en plus. Mais j'ai jamais entendu. Mais ça vous a pas trop dérangé? Non, moi, pas du tout. Plus Laetitia, peut-être. Ouais, elle était levée toutes les nuits. Ouais. On lui demandera tout à l'heure. Maxime. Ah, moi, c'est angoissant. Nuit angoissante, j'ai deux enfants. Et je suis papa poule, quoi. Donc, les premières nuits, je me levais 10 fois par nuit, savoir s'il respirait bien, si tout allait bien. Ouais. Voilà. C'est angoissant, ça. Hein. Ah, franchement. J'ai vécu les choses, c'est le moindre bruit de bouche. C'est un peu ça. Moi, j'allais jusqu'à le secouer pour vraiment tout allait bien. Je l'ai fait aussi. Se réveiller, puis après, j'ai ma femme, il faut. Angoissante. Maxime. Ben, moi, c'était vraiment d'un calme princier. Il était très calme et je gérais la situation, ayant eu deux enfants d'une première union, des jumeaux, Frédéric et Guillaume, que je salue. Et ce qui fait que je dormais vraiment très bien et Arthur était d'un calme vraiment extraordinaire. D'accord, donc c'était plutôt reposant alors. Très reposant pour très moi. Très reposant. Très actif pour Sabrina. D'accord, c'est ça. Oui, j'ai compris, hein, visiblement, on n'est pas encore sur l'égalité homme-femme complètement. Hein, c'est pas encore au point. Maxime, troisième question. Votre chérie célibataire, elle est en voiture, elle vient de crever et un conducteur s'arrête pour lui proposer son aide. Petite précision, c'est un très très beau mec. Et il en profite pour la draguer ouvertement. Je rappelle qu'elle est célibataire. Elles vont réagir comment, vos chéries respectives ? Mielleuses ? Alors comme ça, vous êtes dans la mécanique ? Ou alors sèche ? Merci, mais je sais très bien me servir d'un cric. Ou radical, fichez le camp, espèce de sadique. La Christian qui regarde Maxime, genre on dit quoi? Vous n'êtes pas avec la même femme. Ouais, on a dormi ensemble. Ah d'accord, vous avez dormi ensemble? Ouais. Il n'a pas fait de bruit en dormant. Non. Bon, on ne ensemble, copie pas sur son voisin. Je dirais la 2, c'est... La 2, c'est sèche. Ouais, plutôt sèche, ouais. Et c'est le serveur d'acrique. Ouais, puis elle a un caractère assez fort, donc au premier abord, elle n'est pas très... Elle le renvoie balader. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Maxime. Moi, j'irais sèche, mais elle n'oublierait pas de lui demander son numéro de portable au cas où elle changerait d'avis. Ah, au cas où. Et vous, alors, Christian? Mais mielleuse. Mielleuse? Ouais. Mielleuse, alors comme ça, vous êtes dos avec elle? Ouais, un beau gosse. D'accord. Un regard. Bon, et ben, on va comparer maintenant avec les réponses de vos chéries. Elles reviennent. Oui. Émilie, Maxime. Unis sur le plateau, unis dans la vie, unis au travail. Vous bossez tous les deux dans un restaurant, c'est ça? Ouais. Maxime en cuisine, Émilie dans la salle. Ouais. Pas compliqué à gérer avec les enfants? Un peu, mais un peu. Voilà. Papa, maman sont à côté, ça dépanne. Et ouais. Ah, Ouilly, c'est ça? Ah, oui, le Vicomte. Ouais. Ah, il est Vicomte, oui. Bah, ouais, il est Vicomte. C'est ça. Tout à fait. Et c'est quoi votre spécialité, Maxime? Donc, brasserie traditionnelle et pizzeria aussi. D'accord. Émilie, ce jour-là, vous lui en avez voulu au point de lui coller un carton rouge comme au football. Il avait fait quoi, Maxime? Il avait fait quoi? Ouais. Merci. Alors... Non, maintenant, c'est ça, les réponses. On fait ouais, hop, et on enchaîne. Oui, j'ai... En fait, j'étais étudiante. Ouais. Et lui était au travail déjà. Et puis,
il me dit bah écoute chérie je m'en vais travailler à Paris. Ah. J'ai dit mais moi je peux pas te suivre. Bah oui mais moi j'ai pas le choix. En gros c'est ça quoi. En gros c'est ça. Bah, en gros c'est ça. Il a répondu. Eh ben, ça. Oui. C'est vrai. Eh, il est revenu au bout de 9 mois. Ça veut dire que quelque part vous lui manquiez un peu. C'est quand ça. Même. C'est ça la bonne nouvelle. Laetitia. Laetitia. Alors. Moi, je dirais le jour de mon accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'accouchement ? Il faisait le singe, comme d'habitude. Et la sage-femme, elle a cru qu'il était stressé de par l'accouchement, que c'est pour ça qu'il était nerveux, qu'il faisait le singe partout. Et donc, il a dû aider un peu la sage-femme. Il a eu du sang sur lui. Et la sage-femme demande si ça va, quoi. Il dit oui, oui, c'est un peu comme quand j'égorge les truites à la pêche. Bonne réponse, Christian. Et on salue le fisson, une nouvelle fois. La truite. Ça, et tes doigts en natation ou pas, du coup, parce que... En plus. Sabrina. Alors, moi, ça va être... on a fêté notre jour de rencontre. On était sortis et il m'a dit, ben, ce soir, chérie, on fait un bébé. Alors, j'ai dit, OK, super. Super déjà dans la démarche, ce soir on fait un bébé. Demain on va au Cinoche, mais ce soir bébé. Voilà, après-demain pizzeria. On va manger chez Maxime. Et donc voilà, la nuit se passe et en fait le lendemain il sort la pilule de la poubelle et il me dit ben non, je suis pas prêt, faut que tu attendes. Donc j'aurais pu, ouais. C'était au bout de ma vie. Bah oui, je mais finalement doute. Voilà, on en a quand même eu. Pas très très classe dans la démarche, non. Mais bon, l'essentiel c'est quoi? Après, il y a eu deux beaux enfants. Il y a eu du beau. Et c'est bien là l'essentiel. Maxime, en effet, nous a parlé de cette anecdote. Deuxième question, Laetitia. Lorsque vous avez quitté la maternité, on est après l'épisode de la truite, donc ça y est, on est parti, la pêche a été bonne. Après la naissance de votre premier enfant, la première nuit passée à la maison avec bébé, ça a été pour Christian épuisant. Ça a été une nuit épuisante, c'était la première nuit d'une longue série. Une nuit angoissante à toujours vérifier la respiration du nouveau-né ou reposante. Le petit ne faisait pas ses nuits, mais Christian, si. Mais celle-là, elle, il faisait ses nuits, il n'a jamais entendu pleurer. Donc ça veut dire que c'est vous tout de suite au oui. Taquet pour gérer. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Pendant 12 ans. Christian, c'est vrai que c'est l'étoile de mer, c'est... C'est pas moi l'étoile de mer. Hein c'est pas moi l'étoile de mer. Ah, c'est Laetitia ? C'est Patrick. Ah, c'est vous, Patrick, l'étoile de mer ? Mais décidément, entre les truites, l'étoile de mer et ouais, tout ça, tu tournes autour de l'eau. Hein. Donc, l'étoile de mer, quand même, se lever pour aller s'occuper du, voilà, ça du oui. Petit. Donc, vous nous avez dit reposante, et c'est une bonne réponse pour Christian et Laetitia. Je vais pas parler de ta truite. Sabrina. Reposante. Reposante. Oui. Maxime aussi, à la cool. Le bébé était tranquille, donc reposante pour reposant pour les deux. Pour Maxime. Les deux. Bingo. Et ouais, je dirais angoissante. Angoissante. Hey. Personne veut rien lâcher là. Vous pouvez dire qu'à sa début de semaine, on attaque sur les chapeaux de roue. Sabrina, vous êtes célibataire. Mm-hmm. Non, enfin, c'est une image. Oui, oui. Pas une question, je veux dire. C'est, on imagine que vous êtes célibataire. Imagine. Vous êtes en voiture, vous venez de crever et un conducteur s'arrête pour vous proposer son aide. Mmh. Petite précision, un canon, mmh. Une bombasse. Mmh. D'accord. Et du coup, il en profite pour vous draguer ouvertement. Vous allez réagir comment, Sabrina? Vous êtes radicale et vous lui dites « fichez le camp, espèce de sadique ». Vous êtes sèche, ça va, merci, je sais très bien me servir d'un cric. Allô, quoi. Ou mielleuse. Alors comme ça, vous êtes doué en mécanique. Je vais dire mielleuse. Mielleuse. Ça va, Maxime, ou vous êtes oui. En pause? Disons que c'est pas de son tempérament en général, mais bon. Ah si, c'est un canon. Maxime. C'est un canon, non? Quand même. Je veux dire que la prochaine fois que vous avez crevé un pneu, vous pouvez l'appeler, il est là dans les 5 minutes. Émilie. Ah. Eh ben, je dirais sèche. Sèche. Ouais. Je sais me servir d'un cric. Ouais. Bonne réponse.
L'étoile de mer. Alors ouais, moi, je vais dire mielleuse parce que je suis nulle. Donc, j'aurais vraiment besoin qu'il m'aide, quoi. D'accord. Ah oui. C'est une excuse pour le draguer. Hein. Vous avez vu, Christian, elle le passe en vrai. Bon, c'est vraiment parce que j'ai un pneu crevé. Christian nous a dit... La dis... Bah non, non, mielleuse, c'est la bonne réponse pour poser. Ah bah voilà. On n'aime pas les Belges. Oh, il s'est endormi sur un bon. Bon, les points, comment ça se passe? 15 pour les rouges, 20 pour les jaunes, 20 pour les bleus. Dans quelques instants, à vous, mesdames, de répondre à mes questions. Et tout de suite, un petit tour par nos prochains castings. Nous irons chercher nos futurs couples à Montpellier et Toulouse. Ce sera le 13 mai. Lyon et Bordeaux, vous notez la date, 14 mai. Et puis pour nos amis belges et nos amis du Nord, Bruxelles et Lille, le 18 mai. Vous allez vous inscrire pour les castings des amours sur notre site france.tv. Sabrina, Laetitia, Émilie. Je me pose deux secondes sur Laetitia. Enfin, façon de parler, est-ce qu'on peut faire un gros plan? Parce que j'avais déjà eu un candidat qui s'était fait faire le logo dans les cheveux. Mais là, regardez, et est-ce qu'on voit l'ongle avec le logo des amours? Oh, c'est mignon! Moi, on n'aurait pas pu, je les mange. Mais en tout cas, c'est très, très joli. Sabrina, oui. Première question. À quelle occasion vous êtes-vous sentie tout particulièrement émoustillée, Sabrina? Je dirais notre première fois. Ah c'était top. C'était super. C'était super, top. Serait-il indiscret de vous demander l'endroit? L'endroit, tout chez nous, mais je veux dire, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un endroit pour D'accord. pouvoir être au top après. Mais c'était canon. Ouais. Serait-il indiscret Allez. De vous demander la durée? Oui, ça c'est... oui, je pense. Ça fait 16 ans. Laetitia. Oui, mais moi, c'était dans un endroit un peu insolite, dans une laverie automatique. J'ai l'impression qu'avec Christian, on a mis le doigt sur un donjon, hein, vraiment. Hein. L'épisode de la truite. Et alors, du coup, ça a été programme complet jusqu'à l'essorage ou Non, c'était rapide quand même, parce qu'il risquait d'avoir rapide. Des gens qui rentrent et tout. D'accord. Mais voilà. C'était, ça vous a particulièrement émoustillé. Voilà. J'irais plus à la laverie de la même façon, moi. Émilie. Bah, moi, c'est tout autre chose. Complètement autre chose. Moi, il m'a offert un week-end dans un spa, jacuzzi, champagne. Enfin, et ça a duré toute la nuit. Enfin, voilà, c'est pour notre anniversaire de mariage. Classe. Voilà. D'accord, très bien. La soirée au spa. Laetitia, l'étoile de mer, deuxième question. C'est le premier dîner chez vos beaux-parents et sa maman a préparé sa spécialité régionale, les pieds paquets, qui, comme chacun le sait, est un plat composé d'estomac et de pieds de mouton. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon appétit. Votre réaction pendant le repas, c'est quoi, Laetitia? Vous êtes prête à applaudir tellement vous vous régalez? Vous êtes prête à vomir tellement vous vous forcez, vous êtes prête à partir. Faire bonne impression, d'accord, mais enfin, bon, là, il ne faut quand même pas pousser. Vomir. Vomir ? Oui, vomir. En même temps, est-ce que dans le public, il y a des gens vraiment qui se disent wow, « Waouh, des pieds paquets, j'adore ça, levez la main !» Bonjour, c'est moi. C'est super le bon public. Émilie. Ouais, moi aussi, je dirais vomir. Prête à vomir ? Ah ouais, ouais. Pieds paquets, ça passe non, pas. C'est pas non, oh, c'est pas pourtant, bon. Des bons pieds paquets, là, bon. Sabrina. Vomir, ça voudrait dire qu'on en mange. Oui, ça voudrait dire que... Mais vous vous forcez à les manger. Ouais, non, je pars alors. Ah, vous par êtes prête à partir. Par déduction, je ne mangerai pas. Non. Pas possible. Ah non, pas possible. Impossible. Impossible. D'accord. C'est noté pour les pieds paquets. Émilie, c'est la troisième question. Et la troisième question, c'est la question... Bonus. Merci dessus. Vous pourriez comparer votre homme à un ostéopathe. Car comme lui, il vous fait craquer. Il est habile de ses mains... où il appuie parfois là où ça fait mal. Il me fait craquer. Il vous fait craquer. Sabrina. Il est habile de ses mains. Il est habile de ses mains. Laetitia.
L'autre, il fait... Ah, vous étiez en train d'essayer de nager, moi. Vu que ça tourne autour de la mer et de la rivière depuis tout à l'heure. Il vous fait craquer, il est habile de ses mains ou il appuie parfois là où ça fait il mal. Il appuie parfois là où ça fait mal. Et ben, mon cher Irviane. Maxime, à quelle occasion Émilie s'est-elle sentie tout émoustillée? Oh, ça émoustille. Oh, il y a qu'une occasion où elle sent vraiment tout émoustillée. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Une fois en 12 ans, c'est quand même... Non, non, dans l'ensemble, ça va quand même. Ah, d'accord. Il y a un moment plus particulier où Émilie est beaucoup plus émoustillée. Émoustillée, ça émoustille. C'est quand il faut concevoir un enfant. D'accord. Vous en avez combien? Parce que là, la façon dont vous dites, c'est voilà, tous les 6 mois, allez, bim, hop là. Ce soir, chérie, ça émoustille. Je peux te dire que... Bah, on a 2 enfants. Et, d'accord. Et au moment où ça veut dire qu'elle a été moustillée au moins 2 fois. Bah, voilà. Émilie nous a parlé. Suspense. Une nuit de folie, chérie. Une nuit de folie. Mais la question, c'est peut-être, est-ce qu'à l'issue de cette soirée au spa, il y a eu un enfant? Bah non, ils étaient déjà conçus tous les deux. Ah d'accord. Bah dis donc, et oui, alors, Maxime. Désolé. Bah ouais. Tu peux. Christian, avec... Laetitia a été voir 50 nuances degrés avec ses copines. Mm-hmm. Et quand elle est revenue, elle m'a réveillée, elle m'a mis le masque. Elle a fait des photos pour envoyer à ses copines, parce qu'elle devait toutes faire ça. Et voilà, donc je pense que ça l'a émoussé. Mais après qu'elle vous ait mis un masque et qu'elle ait pris des photos, il s'est passé un truc? Je ne me souviens plus. Ah. Je ne voyais pas, donc... Je ne pense pas. Elle m'a réveillé, donc je n'étais pas de bonne humeur. Non, ce jour-là, après, il a dormi. Hein? Oui, mais attendez, on parle de Christian Gris. Je m'appelle Christian, quand j'ai mis une petite claque sur les fesses, c'est scandale. Ouais. Alors attendez, moi je ne voulais pas rentrer non plus dans tous les détails, Christian. Laetitia. Ben non. Eh non, on n'est pas parti là-dessus. Hein? Ouais, là, c'était 50 nuances de laine. Enfin, laine acrylique, ça, je ne sais pas. C'était insolite, ça. Ouais. Maxime. Je rejoins Maxime. Et ah bah, très bien, donc alors on est tous au spa. Voilà. Lorsqu'on a conçu, donc j'ai pas encore parlé de Fleur, j'ai parlé de Frédéric, Guillaume, j'ai parlé d'Arthur. Et on a conçu donc Fleur dans un parc d'attractions, enfin dans un hôtel proche de Paris. D'accord. Et en fin de compte, il s'avère qu'à notre tour, lorsque la grossesse s'est terminée, elle s'est retrouvée avec une petite tache de vin sur la cuisse en forme de Mickey. Et ça, c'est véridique. Donc, je pense qu'on a conçu le deuxième à... D'accord. Donc, elle a été particulièrement émoustillée. On a compris, voilà, au parc à Elle m'a fait peur. D'accord, très bien. On était dans les détails. Hein. Alors, du coup... Mais si à chaque fois vous faites des câlins dans un endroit, vous avez une marque après sur la peau... Non, c'est pas moi, c'est notre fille. Ah, la fille. Ah d'accord, ok, très bien. J'étais en train de me dire. Oh. Bon, deuxième question, Christian. C'est le premier dîner chez vos parents et votre maman a préparé la spécialité régionale des pieds paquets. Les pieds paquets, petite recette rapide. Plat composé d'estomac et de pieds de mouton. Elle réagit comment, Laetitia, pendant le repas? Elle est prête à applaudir tellement elle se régale. Elle est prête à partir, faire bonne impression, d'accord, mais enfin, faut pas pousser. Ou prête à vomir tellement elle se force? Non, elle part. Elle est prête à partir. Elle fait bonne impression, elle s'en va. Alors, c'est pas... D'accord, oui, c'est faire bonne impression, d'accord, mais il ne faut pas pousser. Laetitia, c'est... Oh pas tu mangerais. La première fois, ouais, pour faire bonne impression. Ah. Bah oui, donc en fait, il avait un petit peu raison. Bah oui. Elle n'aurait pas mangé. Maxime. Je pars pour le vomissement, prête à vomir. Les légumes et encore légumes. Moi, je suis carnivore, je suis désolé. Mm-hmm. Et puis, je pense que ça lui serait mal passé. Elle n'a pas cette odeur de viande en bouche. On va dire. D'accord. Voilà. Sabrina. Prête à vomir. Eh bien, elle était prête à partir. Maxime. Moi, je dirais, elle est prête à vomir. Prête à vomir, Émilie. Ça y est, ça part en tête. Ce qui vous place en tête avant la question bonus avec vos 25 points, 20 points pour les jaunes, 15 points pour les rouges,
C'est 15 points, la question bonus. Tout reste jouable juste après ce petit message de France 2. Allez, la question bonus. Bon, elle pourrait vous comparer à un ostéopathe, Maxime. Sabrina, elle pourrait vous comparer à un ostéopathe, car comme lui, vous êtes habile de vos mains, vous appuyez parfois là où ça fait mal, ou vous la faites craquer. Je dirais habile de mes mains, puisqu'elle a droit à son massage tous les matins au petit réveil. Ouais. Habile de mes mains. Habile de ses mains, Sabrina. Ouais. Vous l'avez eu ce matin, le petit... Ah oui. Oui. Le petit massage. Loin de moi l'idée d'évoquer quelque chose d'autre. Christian. Je la fais craquer. Vous la faites craquer. Je suis une brute, donc... Et ben vous savez quoi ? Depuis l'épisode de la truite, on pensait à ça. Mais là, quand on parle de craquer, c'est une image. Vous la faites craquer, elle dit « Ah, je craque, il est trop beau, je l'aime. Ah, » Craquer, c'est une image. Hein, Il n'a rien compris, je crois. Voilà. Elle pourrait vous comparer à un ostéopathe. Je suis habile de ma main. Là. Vous êtes habile de vos mains. Je suis habile de ma main. Laetitia. Et là, je crois que c'est ce que vous venez de faire. Appuyez là où ça fait mal. Bon, Maxime, tout va se jouer avec vous. Moi, je dirais que je la fais craquer. Vous la faites craquer. Émilie. Yeah, vous êtes les amours du jour. Laetitia, Christian, Maxime, Sabrina, ça va, vous avez passé un bon moment? Super. Laetitia, ça va, ça va, ça va. Vous avez ces cadeaux, regardez. Spartoo.com vous offre 240 euros pour vous habiller des pieds à la tête en cette période de fête. Faites-vous plaisir parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Salut Émilie. Ça va, détendu? Oui, oui. Maxime, Émilie, on y va. Top chrono, c'est parti. Maxime, Émilie, connaît-elle Top, le nom de la ville où vous êtes né? Oui. Quand? L'aliment que vous consommez en plus grande quantité? Oui. Le passe. Le pain. Votre taille de t-shirt en lettres? Oui. XXL. Le pays d'Europe où vous pourriez aller travailler? Oui. Italie. Votre groupe sanguin? Oui. O. La boisson que vous détestez le plus? Je passe. Votre couleur préférée? Oui. Le bleu. L'âge que vous aviez à votre rencontre? Oui. 18. Top. Merde. T'avais pas 18 ans? Oh, merde, 19. C'est pas grave, allez, concentré. Pardon. Un double take au niveau du caca. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. On est à combien, Pascal? On a 5 bonnes réponses. Il reste 23 secondes pour en donner 2. C'est tout à fait jouable. Allez, bien, allez. Maxime, Émilie connaît-elle Top, l'odeur que vous aimez sentir dans la cuisine? Oui. La pizza. Votre sport collectif préféré? Oui, le foot. Et ben voilà. Le voilà, votre cadeau pour Mathéo et Raphaël, mes loulous. Émilie et Maxime, vivez l'expérience Apidi et Advingo pour vos vacances d'été en famille chez Odésia Vacances. Retrouvez vos villages clubs, camping, résidences et hôtels au cœur des plus belles régions de France. Bravo. Félicitations, bravo à vous tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon début de semaine sur France 2. Tout de suite, c'est Nagui. On revient demain. Ciao, ciao. Et pour venir jouer avec nos amours, inscrivez-vous. Notre site de casting, France.tv, on vous attend.